What are you doing eating junk food? The marathon starts on the 26th. Relax, young boy. Moi, je suis qui? Un pasteur. Ça, c'est pas une bonne réponse. Le pasteur d'où? Le Sénat. Alors, si je suis le pasteur du Sénat, je suis prêt pour le marathon. S'il te plaît, arrête de manger les chips. Hein? Miché, va chercher la Bible de papa. Il doit manger la parole de Dieu. Vas-y. Il faut qu'on court là, il ne faut pas qu'on soit en retard. Les amis, je vous ai vu faire des exercices là-bas. Oui. Vous vous préparez pour quelque chose? Oui, nous sommes des jeunes du Sénat. Et nous nous préparons pour un marathon. Quel marathon? Le marathon des familles, n'est-ce pas? Le marathon des familles? Oui, oui, le marathon des familles. Et vous avez fait des exercices? Oui. Oui. Comme vous avez vu de faire là-bas. Pour courir? Oui. Donc vous allez courir avec vos familles? Oui, on se prépare. C'est prêt. Je suis prêt. Mais ce n'est pas de ce marathon-là qu'on parle. Oh. Ah bon? Le marathon des familles du Sénat, ce n'est pas comme ça. Oh. Qu'on s'y prépare et ce n'est pas de cette manière qu'on court. Oh. Ok, venez, je vais vous montrer. Okay? La Bible dit ceci. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Oh, on ne l'a vraiment pas saisi. Vraiment pas. Mais je fais une chose. Oubliant tout ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc quand nous courons le marathon de famille, c'est pour remporter en famille la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. On ne s'y prépare pas physiquement, on s'y prépare spirituellement. On ne court pas physiquement, mais on court spirituellement. Parce qu'on veut que moi et ma famille, nous saisissions la vocation de Dieu en Jésus-Christ. Yes. Venez, je vais vous montrer comment. All right. All right. Shalom, bien-aimés. Comme vous avez vu, alors cet homme s'est préparé pour manger la nourriture physique. Alors, pour ces marathons, il faut se préparer spirituellement. Je serai avec Dr Michaud, avec apôtre Mongali, Jonathan, et avec prophète Joe Grass. Alors, il faut venir en famille. Je vous invite, venez en famille au 260 MacArthur, à partir du 26 mai jusqu'au 2 juin. Je sais que l'Éternel nous fera tellement du bien parce que Dieu a décidé d'honorer ta famille. Donc, merci.